veux juste, non, non, sérieusement, je ne coupe pas la parole. Je veux juste que l'ambiance entre nous, elle soit beaucoup, qu'on soit plus unifiée parce que chambre 1 contre chambre 2, j'aime beaucoup Sofiane, j'aime beaucoup Mathieu, j'aime beaucoup différemment les êtres qui sont dans le château, tout ça. Pas pour faire de la démago, pas pour faire le suceur ou le lèche-cul, mais le peu de temps qu'il nous reste à tenir, même si on ne s'aime pas, qu'on se supporte. Parce que moi, je suis quelqu'un, il ne faut pas m'en vouloir si je suis neutre, que j'apprécie Mathieu, même s'il y en a certains qui ne l'aiment pas, que j'apprécie Lucie parce qu'il y en a certains qui ne l'aiment pas. Je ne demande pas à ce qu'on s'aime. Je fais référence à Francesca et Lucie, par exemple. Je demande juste à ce qu'on se respecte les uns les autres. Ce n'est pas pour faire le suceur, Francesca. Moi, je vous apprécie tous pour ce que vous êtes et tout différemment. Donc, c'est à un moment donné, il nous reste peut-être peu de temps. Tu vois, c'est un peu abusé, je trouve. Non, c'est pas une question de ça. Ça ne te regarde pas, t'as pas en parler. Non, c'est pas une question de ça. C'est que moi, je veux pas être. C'est moi et Lucie. Tu vois, si moi je dis des trucs, si t'as pas envie de les entendre, tu me dis que t'as pas envie de les entendre. Je te l'ai dit, Francesca. Voilà, d'accord. Lucie, c'est pareil, mais t'as pas besoin de dire ça devant les caméras. C'est pas une question. Moi, je m'en fous des caméras ou pas les caméras, Francesca. C'est très bien, je t'apprécie énormément. J'apprécie. D'accord, mais bon, Enrique, tu fais comme ça. Genre, les problèmes. Mais écoute, je suis désolé, mais je dis ce que je pense, Francesca. Tu vois, sincèrement, à un moment donné, moi je trouve qu'on est en train de se pourrir la vie. Tu vois, j'ai pas des super affinités avec John. Eh ben, on se supporte, on apprend à se connaître, nanana. Il y a des trucs qui te cassent les couilles, qu'il y ait les caméras ou qu'il n'y ait pas les caméras. On le dit et on clash parce que c'est positif le clash. C'est nécessaire ici. Parce que c'est là que ça va être encore plus en plus malsain. Et moi, j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai pas envie de trucs chelous. Non, on a chacun nos réactions et on les gère chacun de notre manière. Et ben, moi, ma réaction, elle est celle-ci. Elle est de dialoguer. Ouais, mais t'as pas à te mêler de ça, tu vois. Mais si, parce que, attends, il y a un truc que moi, je tiens à dire. C'est que c'est pas simplement toi et elle, ou lui et lui, ou nanana. C'est collatéral ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu vas t'embrouiller avec quelqu'un, ça va créer un autre truc. Ça rebondit les uns sur les autres. On vit les uns avec les autres. Donc, il faut à un moment donné qu'on dialogue. Je ne te demande pas ni à toi, ni à Lucie. Il faut relativiser les choses. C'est ce que j'essaye de faire. 24 heures sur 24, il y a certainement des gens avec qui tu t'entends mieux que d'autres. C'est ce que je fais. Le fait d'être tout le temps collé, d'être en concurrence, c'est tout ça. Tu ne peux pas relativiser en ne parlant pas. Bah oui, mais bon, tu dis, il y a un problème, c'est pas partir trop loin. Francesca, mais c'est le fait de choses qu'on est 24 sur 24, qu'on est constamment en concurrence et tout ça. Donc, évidemment, ça fait des conflits. Et ben, moi, ce que. Attends, Greg, pourquoi dire ça? Ce que je demande, c'est simplement qu'on dialogue. Demande-nous avant de dialoguer comme ça devant tout le monde, il y a les caméras, tu vois, demande-nous avant. Francesca. Non, mais demande-nous notre avis, parce que là, tu fais des trucs. Francesca, je te l'ai pas dit hier, je te l'ai pas dit. Tu nous prends en traite, là, de faire ça. Excuse-moi, attends deux secondes, s'il te plaît, Michael, deux petites secondes. Excuse-moi de te prendre en traite, mais si c'est la seule solution... Tu vois, moi, il n'y a pas de traître. Je ne suis pas ni de ton côté, je suis ni du côté de personne. Je suis neutre, Francesca. Je t'apprécie pour ce que tu reprends. Mais tu n'as pas à faire d'un truc, tu pas à en faire un. Mais j'en fais pas une montagne, je dis simplement dialoguons. On n'est pas des gamins. Oui, mais chacun a envie de dialoguer. S'il a envie de dialoguer, c'est pas à toi de dire. Eh ben, je voulais te l'entendre dire. Tu n'as pas envie de dialoguer. Eh ben, on dialogue. C'est pas que j'ai pas envie de dialoguer, c'est que c'est pas à toi de me dire si pourquoi je dois dialoguer. Pourquoi c'est pas à moi? Et parce que t'es qui pour me dire que je dois dialoguer? Bah, je suis simplement quelqu'un qui vit dans si le même monde. Si c'est mon ami, tu viens me dire. Alors voilà, pourquoi t'as besoin de le dire là? Parce que y a pas que toi. Il y a d'autres personnes de l'autre côté. Et alors va dire aux autres personnes pourquoi tu me fermes mon exemple. Parce que mon nom deux, on a déjà parlé. Excuse-moi. Tu vois, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, tu m'avais déjà dit hier. Je suis désolé. Bah, j'ai envie de le redire quand il y a tout le monde. Alors, sors d'autres exemples. Pourquoi tu sors mon blase? Je comprends pas. Excuse-moi d'avoir cité ton nom. Non, mais excuse-moi, je me mêle de tes embrouilles. Mais c'est pas une question que je me mêle de tes embrouilles. C'est qu'on est tous dans la même embrouille. C'est ça que tu comprends pas. C'est qu'à un moment donné, il faut dialoguer. Donc si toi tu veux pas parler, c'est pas grave. Tu t'es déjà embrouillé avec des profs, tout ça, je vais pas me permettre de dire devant toi. Ouais, je trouve que tu ne mélanges pas tout. Ne mélange pas tout, Francesca. Mais non, je suis désolé, tu te mêles de trucs qui te regardent pas. Eh ben désolé, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, ça me fait du bien de le dire. Donc si toi tu le prends mal, t'es la seule apparemment à le prendre mal. Bah oui, parce que tu parles que de moi. Mais je parle pas que de toi, j'ai parlé de Lucie, j'ai parlé de Mathieu, j'ai parlé de Sofiane, j'ai parlé de tout le monde. Ça y est, c'est toi, tu regardes ton nombril. Qui c'est qui regarde son nombril? Attends, là c'est toi qui t'as besoin de faire ton discours, de te faire remarquer pour dire oui, moi je veux que tout le monde. Là je suis désolé. On en avait déjà parlé tous les deux hier. Excuse-moi, Francesca. Voilà, j'ai fait mon show. Et ben à ce moment-là, moi, je vais aller me coucher. Je vais vous laisser tranquille. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'apprécie chacun d'entre nous pour ce qu'on est, nanana, différemment. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de machin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, si vous voulez qu'on continue à se bouffer le nez, on continue à se bouffer le nez devant la France entière.
Il a raison dans le fond pour la bonne ambiance de toi, de moi, de tout le monde. Bah, juste un truc à dire, celui-là qui va bouffer une Harlem, il a mangé pour 6 mois. Avec son caractère, mais évidemment, mais jamais, jamais, à aucun moment on a l'opportunité de se rencontrer et de discuter parce que soit on bosse, soit on souci, soit on cela. Jamais on est tous ensemble. Et il a fait ça maintenant parce que l'un des rares moments où on est tous là. Et c'est vraiment pas une chose en fait abstraction. C'est pas contre toi, j'en ai pensé ça, c'est très bien. Dire s'il y a des moments, tout est filmé en permanence. Partout. Et on s'en fout. Bah voilà, on est d'accord. Mais on peut pas lancer ça, Enrique. Non, mais attends, il passe ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils le montrent comme ils veulent, on s'en fout. Je veux dire, la meilleure façon, c'est de crever la tête. C'est très bien, Francesca, je vais pas te mettre un coup de couteau. Non, mais franchement, j'aime pas parce qu'on en avait discuté tous les deux. Est-ce que je peux juste intervenir? Je vais faire l'arbitre. Attends, je vais faire l'arbitre. Non, mais d'accord, mais pourquoi tu sors cet exemple? Francesca, s'il te plaît. Genre, mettre le couteau dans la plaie, tu vois. Francesca, s'il te plaît, je voulais juste dire un truc. Tu sais quoi, Enrique, moi, c'est quoi? Là, j'ai envie de dire un truc. Là, vous allez peut-être partir en tournée ensemble, d'accord? Quand vous partez en tournée ensemble, Quand vous allez partir en tournée ensemble, c'est comme une équipe de foot. On prend pas des... quand on fait une équipe de sport quelconque, on prend des individualités pour ce qu'ils savent faire. Et après, ils sont obligés de vivre ensemble. Il faut qu'il y ait ce dialogue pour qu'ils puissent arriver à jouer ensemble. Parce qu'une fois qu'ils sont ensemble, il faut qu'ils fassent une équipe. Et là, si vous partez en tournée ensemble, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a des frictions, parce qu'il y a un manque de dialogue, ça ne peut pas marcher sur scène. Mais chacun gère les frictions et ça ne peut pas travailler tout seul. C'est un travail de groupe. Exactement. Mais bien sûr, ça ne peut pas empêcher de travailler ensemble. Je te promets. C'est forcément un travail de groupe. Nous, on a ça en tournée avec Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, il intervient. Il dit non. Là, il faut un dialogue, il faut que ça soit arrangé, il faut régler le problème. Et le problème se règle toujours. Mais d'accord, mais il y a un directeur qui doit intervenir, c'est pas Harlem. Non, donc là, moi, pour moi, il n'y a pas de groupe. Il y a juste des gens qui parlent les uns sur les autres. Moi, je suis neutre. Je vous dis, il n'y a pas de gens ici pour qui, tu vois, je ferais des trucs de ouf, nanana. Mes vrais amis sont à l'extérieur. Je suis juste en train de dire que je supporte les uns les autres le temps qu'il faudra tenir. Maintenant, tu vois, si on ne veut pas parler ensemble, ce n'est pas un problème. Si je passe pour un teutré, un suceur à tes yeux, ce n'est pas grave. C'est pas grave, Francesca. Je te kiffe, tu vois, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et c'est pas simplement pour arranger machin, c'est pour nous arranger tous, pour que ça se passe bien. Maintenant, excuse-moi d'être monté sur mes grands chevaux, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est pas contre toi, c'est pour l'ensemble. Maintenant, excusez-moi, voilà, je suis désolé. Non, mais tu peux pas dire tout ce que tu penses comme tu le dirais dans la vraie vie. Harlem, à partir du moment où chaque chose que tu dis a des conséquences sur l'extérieur, a des conséquences sur... On a l'impression que c'est nous qui ont pensé, tu vois, les gens de là-bas. Alors que non, on n'a pas d'enfant. Moi, ça commence à me saouler aussi, tu vois. Parce que toi-même, tu sais qu'il y a des gens qui parlent. Tu vois, ça me casse les couilles. Toi-même, tu sais, tu vois. Non, j'attends que ça, bah voilà. Bah voilà. Pourquoi? Parce que moi je suis pas là pour descendre les gens devant les caméras. Moi, si... calme-toi. Moi j'attends que ça que tu parles. Parce que c'est ça qu'il faut percer là, c'est tout de suite. Ça sert à rien de garder ce que t'as en toi. C'est très bien, bon. Qu'on ne veut pas dire ce qu'on pense. Pourquoi? Moi tout ce que je sais, ça dure 4 mois. Ça dure 4 mois. Après, il va 4 mois, je vais avoir des comptes. Allez, vous touchez parce que vous allez vous énerver là. Cool. C'est tout ce que je sais. Non, franchement, je pense que si je suis colère, je suis pire qu'Enrique. Donc. Allez, Enrique. Merci, Michael. Non, mais c'est bon, ça va, il n'y a pas de souci. Allez, vous êtes tous fatigués, allez vous coucher. Moi, je dis parlons et après, on va se coucher. Crevons. Non, mais même, moi. Quand vous êtes fatigué, c'est pas facile de parler. Je parle pas parce que justement, je croyais que tout plein de choses étaient arrangées et en fait, c'est rien qui s'est arrangé, tu vois. Ah, allez, vas-y, dis. Dis, moi je parle pas. Vous avez raison dans le bus demain. Mais on s'en fout, parce que moi je peux pas me permettre de parler, moi maintenant. Enrique, sincèrement, on est filmé 24/24. Ce que tu crois que les gens savent pas, ils le savent. Mais ils le savent tous. Ils le savent. Donc à un moment donné, tu t'es entendu. C'est pour ça que je parle pas, parce que je sais. Non, mais c'est pour ça que tu dis ce genre d'attitude, c'est même mieux, c'est beaucoup plus mature. Les gens s'assoient et ils discutent. Ils crèvent l'abcès. Moi je sentais pendant un an et demi la nana, on se détestait. Ça veut dire détester? On se crevait, on ne peut pas se prendre sur des souvent, ça nous énervait. On s'est dit, tu m'aimes pas, je t'aime pas, on se déteste. Le truc, c'est qu'on doit bosser ensemble, de chômage de sur scène, il faut qu'on soit comme si on était copines, tu vois. Et puis ça passe, à partir du moment où les choses sont claires, tu fais pas ta vie avec la nana, on s'en fout, mais les choses sont dites.
Ah, t'es con, c'est vraiment con. Quand vous dites, ouais, vous donnez de la viande, nanana, ou je sais pas quoi. Moi, je m'en bats les couilles à un moment donné. Tu vois? Non, mais toi, peut-être que tu sais te servir de ça. Non, je vois ce que c'est. Ah, non, mais c'est clair et net. Franchement, là, j'ai la rage. T'es moi-même, il faut que t'assumes. Oh, quoi. Oh. Ah, ouais. J'ai envie de vomir, là. Très sérieusement. Il a raison, on supporte. On nous voit de faire des gros bisous, des caresses, voilà. Par le faux cul. C'est dit, c'est dit. Je suis pas. Mais voilà, et bien il n'y a pas de souci. On veut juste que tout le monde soit dans le même. Moi, je sais comment je dois me tenir et j'ai pas de problème. On se le dit. Je ne suis pas non plus dans la. Francesca, le but de ce dialogue, c'est que ce soit dit, tu vois. Ce soit transparent. C'est dit, c'est transparent. Ça veut dire. On en parle. Enrique, s'il te plaît. S'il te plaît, on discute, fais pas de bruit. Viens, on discute. Surtout, faut pas que tu te prennes sérieux, vraiment. On va dire le truc. T'as pas envie de discuter depuis tout à l'heure, tu dis ouais, moi je sais des trucs, non, on verra dans pas envie de discuter parce que ça moi, j'ai pas. Tu vas moi, dire, pas. Tu vas dire, sûr, ça parce que moi ça va sortir de moi je vais péter, je vais être un volcan, tu vas voir, un volcan. Ça sert à rien. Moi je peux pas, moi si je peux pas internet. C'est là, c'est tout de suite. Non, mais il y a pas internet. Pourquoi? Je ne peux pas internet. Parce qu'il a deux avertissements, que s'il pète un autre ton, il dégage. Tu peux pas, peut-être que tu montes. Non, tu peux pas. C'est pas possible. Je vais parler. Et ben voilà, tu parles tranquillement. Attends. Il y a des trucs, il y a des choses que je sais pas. Parle tranquille. Je suis pas là aussi pour descendre les gens, tu vois ce que je veux dire. Mais le but, c'est le truc, c'est de plus descendre, c'est justement de faire en sorte que ça se passe bien. C'est tout. C'est tout, que ça se passe. Enrique, t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? T'es un bonhomme. Donc, c'est pas une question de malin. Mais regarde, Arlène, je préférerais te dire ce que j'ai à dire en moi, je sais ce que tu vas me dire. On parle tous les jours ensemble, Francesca. Je le sais. Mais par rapport, là, tu me demandes de faire un truc que toi, t'as pas fait, tu vois, par rapport à Karima. Moi, je l'ai fait, ce que j'ai fait. Non, t'as pas fait. Compare pas les histoires. T'as pris un truc à Karima. Tu t'es excusé pendant une semaine devant les caméras pour avoir une bonne image. Ça n'a rien à voir. Et nous, tu voudrais qu'on fasse des couilles, les gens. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois, moi, j'en ai tout le monde ici. 1, 2, 3. On est 11, on a tous. Ça n'a rien à voir. Ce que tu dis, tu vois, je vais juste te dire un truc. Ce que t'es en train de te dire, t'es en train de me rendre la monnaie de ma pièce parce que t'as pas supporté ce que je t'ai dit. Mais c'est vrai que t'as pas supporté. Non, non, mais moi tu me l'as fait pas. Mais c'est parce que tu sais très bien que c'est comme ça. Non, parce que ce qui s'est passé avec Karima, c'est complètement différent. T'as pas à remettre ça sur le tapis. C'est complètement différent. Là, je te parle. Toi, tu remets des trucs sur le tapis qui concernent pas. Je remets pas, je mets les trucs qui sont en ce moment-là. Tu vois? Bah oui, mais moi je me baisse pas si vous savez ton histoire avec Karima. Je t'ai écouté, je me suis pas permis d'en parler de quoi que ce soit. Moi je t'ai écouté sans te juger. Je te juge pas, Francesca, je te juge pas. Non, si là tu me juges. Mais tu me demandes d'avoir un problème. Est-ce que je t'ai parlé à toi directement? Oui, t'as dit Lucie et Francesca. Non, Mathieu, j'ai cité ton nom tout à l'heure. J'ai cité le nom à Lucie, j'ai cité le nom à Sofiane. Est-ce qu'il s'est révolté? Mais non, parce que toi, je t'ai jamais demandé d'adopter. Parce que toi, à un moment donné, tu peux pas supporter. Toi, tu ouvres ta bouche et tu dis ouais, non, comment ça, non. Parce que t'es comme ça. Il n'y a pas moyen de possibilité de parler. Tu vois? Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai une haine viscérale et que je suis tout le temps en train de dire ouais, je peux pas travailler avec la personne ou des trucs comme ça. C'est pas ça. C'est des moments où tu sais qu'il y a de la concurrence, c'est des moments où tu sais que t'as des excès de nerfs et tout ça. Mais ça va quoi, c'est bon, je suis pas besoin de. Tu vois, c'est bon. Mais le truc, ce qui me vénère, c'est que hier, tous les deux, on a parlé et que tu remettes ça comme jours. Ça sur les papiers tous les où jours. On a bien tu parlé. Hier, je vais dire donner ton avis. Je vais te dire un truc, moi je vais être franc. De part et d'autre, il y a des gens qui viennent me voir. Eh, c'est vrai que nanana, et c'est vrai que nanana, et c'est vrai que nanana, et c'est vrai que nanana. Eh ben, ça va de Greg, ça va à Mathieu, ça va à Lucie, ça va de partout, de tous les côtés. Comme je suis quelqu'un de neutre, au bout d'un moment, tu vois, je vous apprécie tous différemment. Je dis simplement, voilà, venez s'il vous plaît, on mais parle. Pourquoi tu j'ai pas dit Francesca. Dis ça parce que toi, t'as rien dit. Parce que nous, on n'est pas comme toi et on va pas dire ouais, regardez pour un exemple sur moi, je suis en train de dire, venez, on fait un truc concret pour avancer en énergie de groupe, parce que de toute façon, faut que ce soit comme ça. Ça sert à rien d'essayer, tu vois, de se vesquer les problèmes, de faire comme Enrique qui dit, on va attendre 4 mois, t'inquiète, nanana. C'est maintenant, Enrique. C'est maintenant, Enrique. Parce que moi, je suis désolé. Si je dis des choses, moi, je suis là pour descendre personne ici devant les caméras. Moi, je réglerai les comptes en dehors. Est-ce que ces personnes-là. Et moi, je suis pas là pour descendre les gens ici. Non, justement, non. Moi, je trouve ça plus mature de les laisser en dehors. Tu vois?
comme ça, personne ne s'entendra. On n'est pas la personne. Et puis après, t'exploses bien comme il faut et ça fait avancer le truc, t'as raison. Mais non. Tu vois, c'est très bien, on a parlé déjà plusieurs fois, t'es quelqu'un d'impulsif. C'est pas en gardant les coups. Non, il faut arrêter avec le truc impulsif. Faut arrêter. C'est très bien, tu pètes un câble comme ça pour rien, tu te vénères. Non. C'est très bien. Enrique, arrête. C'est bon. Là, parce que là, c'est bon. Là, ça va commencer à me casser les couilles. Là, c'est bon, j'ai déjà mangé, moi. Mais j'en ai rien à foutre, tant mieux, parlez de moi. Traitez-moi d'impulsif. Traitez-moi de Bertrand. Moi, je suis en train de t'apprendre que truc. Je t'ai déjà dit. Là, t'es un traître. T'es en train de nous mettre un coup de poignard dans le dos, Harlem, là. Mais qu'est-ce que tu en train de nous mettre un coup de poignard dans le dos, Harlem, là. T'es en train de nous mettre un coup de poignard dans le dos, là. Un traître doux. À tout le monde, à Frontska, à tout le monde, là. Parce que là, il y a quel groupe? Tu t'es fait lobotomiser, Harlem. Tu t'es fait lobotomiser. Allez, putain. Voilà. Tu te vénères pourquoi, là? Tu te vénères pourquoi? Oh là 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 là. Pourquoi tu te vénères? Pourquoi tu te vénères? Mais Harlem, mais pourquoi tu te vénères? Mais regarde ce que t'es en train de faire, là. C'est pas une question. Il y a pas de clan. Il y a pas de clan. Eh, moi il n'y a pas un côté, il n'y a pas je sais pas quoi. Il n'y a pas je sais pas quoi. Moi je te dis juste, venez, on parle ensemble, on se met bien. Si t'as envie de dire, ouais, t'as un fils de pute, tu le dis. Mais c'est réglé. Non, c'est réglé. Stop, Harlem, c'est quoi? Moi je vais te dire un truc. Tout le monde est légal, tout le monde regarde son nombril. On ne peut pas avoir une seule discussion ici. Moi, je vois comment ça pense ici. Je suis déçu, mais grave. Grave de chez grave. Tout le monde se regarde, il n'y a aucune énergie de groupe, il n'y a qu'une solidarité. La seule compétition qu'il faut avoir ici, c'est avec soi. Arrêtez de se regarder, se supporter, travailler ensemble. Pensez à ma gueule quand c'est le moment, c'est-à-dire Prime, Eva, le reste du temps, faire en sorte que ça se passe bien. Non, il y a un coup de traite. C'est pas une traite, c'est un mec franco. Moi j'aime la franchise, les endroits. Non, bah non. Tu me rends compte que c'est pas ça. Non, 4 mois et tu as fait le truc, tu as fait machin. Bah ouais. Il faut avoir les couilles de ce que l'on veut, de ce que l'on dit. On te dit pas, casse, direct, t'attrape, assume, c'est tout et supporte. Voilà le but de la discussion. Ouais, attends. Parce que là encore on peut passer pour vilain tigalant. Je ne parle pas à toi. Mais vous cherchez quoi avec moi là? Regarde, vous êtes en train de nous casser les couilles tous là. Et bah voilà, non. Mais non, c'est vous. Vous êtes en train de nous casser les couilles tous là. Attends, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Il n'y a pas que toi, il y a tout le monde. Mais c'est bon, vas-y, lâche-moi. C'est bon. C'est grave ici. C'est pitoyable. 25 ans de ma vie, j'ai fréquenté des gens de tout âge. Jamais, au grand jamais, j'ai eu à rencontrer des gens pareils. Putain. Je veux dire, mais c'est grave, tu peux pas parler, tu peux pas. Chacun se regarde, oui, moi, il n'y a pas que lui, on est tous là. Lobotomisé de d'où? C'est ça qui me saoule. Lobotomisé d'où? Moi, Mathieu, il parle de personne. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il n'en parle. Mais si tu veux, jamais il y aurait eu ce genre de réaction. Tout le monde sait. On sait tous. On ferme notre gueule, c'est tout. On est là pour une chose, on garde notre but, et puis on se supporte, on travaille ensemble, c'est tout. Et on est en train même de comprendre ça. On dit oui, ciao, bye bye, merci pour la discussion, les choses sont carrées et claires. Bonne nuit tout le monde, demain prime. Non, tu peux pas. Ouais, mais les alors, moi je, on n'y a pas de moi-je. Putain. Moi, c'est ça qui me bouffe. Je suis d'accord avec toi. C'est grave. Ça me bouffe, sincèrement. On a le droit d'apprécier des personnes comme Francesca et Enrique et de leur dire « Non, vous avez tort. Non, on n'a pas le droit. » Bah, je suis désolé, je suis lobotomisé, je suis un traître, je suis parti de l'autre côté dans la chambre 2. Voilà, c'est comme ça. Chaque discussion, je veux dire, c'est du de l'inutile. On gaspille notre crash et notre énergie. Ces gens-là n'avalent pas la peine. C'est maintenant, je le sais. Des gens d'une mauvaise foi aussi grande, d'un égocentrisme aussi pitoyable, moi, je leur parle même plus. Les choses sont dites et claires. Putain! Tu vois ce que je t'ai dit? Tu vois, Greg, tu vois ce que je t'ai dit? Ça sert à rien de parler. Parce que voilà, je savais que ça allait finir comme ça. Moi, je suis content que ça pète. C'est des gens qui ont besoin de se parler. C'était bien, c'était intelligent. Mais là-bas. Je sais pas, j'étais à l'école. Je sais pas, pour moi, c'est pas la définition d'un dialogue. C'est quoi? Il est où le dialogue? Mais regarde, regarde! Mais tu savais que ça allait se passer comme ça. Attends, tu veux faire quoi? Tu veux laisser? Tu veux que ça continue, Sofiane? Tu veux que ça continue? On n'est pas des enfants, putain. Moi, je savais que ça allait se finir comme ça, donc ça ne sert à rien. Ça se finit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, tu crois que je vais mourir? Est-ce qu'on a des choses à se dire ou pas? Non, on n'a rien à se dire. Enculé. Franchement. Non mais tu vois, dis-moi, parce que tu vois, au moins ce sera clair, nous on est calme, tu vois. Moi je disais parce que c'est John qui t'en a parlé tout à l'heure. Parce qu'hier on parlait, maintenant tu reviens me dire son avis. Moi je te dis, non parce que, tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que Harlem il y a en Sofiane et Mathieu, donc je me dis qu'il y a encore des trucs, tu vois, qui traînent. Mais non, je t'en ai parlé, c'était par rapport à l'évaluation.
Mais voilà, enfin. Mais c'est l'histoire de bidon, putain, on n'est pas là pour s'embrouiller, franchement, la vérité. Non, mais ceci dit, c'est bien que ça éclate, tu vois. Ah, mais c'est pas éclat dans le bon sens, là, tu vois, Enrique, il a pris, il a rien demandé à personne, il en a pris de, dans toute la gueule. Mais c'est pas pour lui, que c'est pas à lui que c'est adressé, c'est à tout le monde. Non, mais là, Enrique, tu vois, ils prennent contre lui, c'est pas bon non plus. C'est comme si moi, t'as vu, on disait, ouais, voilà, nanana, et on dit tous des défauts, mais tu laissais tes défauts pour qu'on te les dise en plus, parce que je veux dire, c'est pas en deux jours que tu vas changer. Mais en tout cas, moi je veux dire un truc, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a aucune idée de clan. Tu vois, il n'y a pas de clan. Non, il n'y a pas de clan, moi. Non, mais. Si, il y a le clan Starak, après je m'en bats les couilles, le reste. Mais bien sûr qu'il y a des clans. Moi, c'est ça que j'aimerais. Non, il y a un clan Starak. Il faut assumer le fait de dire que voilà, telle personne vient. C'est tout, mais depuis le début, on est. Ils alimentent tout ça, ils alimentent, on est tous contre ça, mais ils alimentent, voilà, c'est tout. Quoi? Ah, pourquoi quand je chante, vous ne m'applaudissez jamais? Oui! Parce qu'à un moment donné. Ah, ouais, non, mais excuse-moi. J'ai remarqué ça, moi. À chaque fois qu'on fait des évaluations, on essaie des chansons, vous m'applaudissez jamais. Pourquoi? Comme dans la vie, toujours. Bien fait de faire ça. Je chante mal ou quoi? Il y a des personnes qui n'acceptent pas le fait que tu mettes directement ça devant eux, c'est tout. Mais t'as bien fait de le faire. Non, mais t'as bien fait de le faire parce qu'au moins, tout le monde a pu dire ça. Là, moi, ce qui m'a gêné dans le truc, c'est que du coup, t'es passé pour. C'est comme si on t'avait tellement parlé que t'étais passé dans notre camp. C'est ça qui m'a crevé. Mais non, ça m'a tué, quoi. Moi, sincèrement, vous savez tous très bien ici, regardez. Dans 10 ans, il y a la chambre 1 et 2 ici. Il y a tout le monde. Est-ce que j'ai déjà dit du mal de quelqu'un ici précisément? Mais non, mais bien sûr que non. Voilà, est-ce que j'ai déjà dit du mal? Moi, le seul truc que je dis, c'est quand on parle d'énergie de groupe, qu'on est là, on se la tartine à la faux mec, ouais, on est une énergie de groupe, Star Academy 4, on va sur la tournée. Avant de parler d'énergie de groupe, on en fait un groupe. Bien sûr. C'est ça que moi je demande. Même si on se kiffe pas. Moi franchement, je vous connais, je sais pas d'où est-ce que vous venez, je sais pas ce que vous faites. Mes vrais amis sont pas là. Tu vois, c'est simplement venir en soutien. Alors, même si on se prend la tête alors si nos amis sont pas là, droite à gauche. Mais parce qu'on vit ensemble, on est bien. Tu comprends, il faut bien qu'on s'entende quand même, c'est la vie. On peut pas vivre comme ça tout le temps sur des malentendus, sur des dires, des choses comme ça. C'est pas possible. Moi, je suis à des années-lumière de là, sauf que je m'en bats. Mais c'est pas possible. J'aime pas, t'as vu, franchement. Mais non, mais dans ces cas-là, il faut le dire en face. C'est la vie, c'est pas pareil. C'est pas parce qu'on est enfermé ici qu'on doit faire la vie. Mais chacun fonctionne différemment. Pourquoi toi, quand t'es à l'extérieur, quand t'aimes pas quelqu'un, tu vas le dire. En fait, je t'aime pas. Mais non, mais ici quand on vient ensemble et qu'on est. Tu comprends, ici on peut pas. On peut pas, on est bien obligé ici de dire les choses. Je crois qu'il y a personne qui a été voir quelqu'un pour dire franchement, je ne veux pas te blairer, donc tu casses ta gueule. Mais bien sûr, c'est ce que tu crois. Bah alors, j'étais pas là alors. Non, mais Sofiane, moi je suis allé voir plein de fois Enrique pour lui dire dis-moi, putain, quand il y a un truc, dis-moi quoi, tu vois. Je savais qu'il parlait à Lucie, je savais qu'il parlait à plein de gens, tu vois. Il m'a jamais rien dit. J'ai parlé deux heures, il n'y a pas de problème, je reparle maintenant s'il veut avec lui, mais ça avance pas. Tu comprends pas, ça avance pas. Au fait, votez 3 pour demain soir. Mais non, mais. Merci, c'est pour moi. J'ai parlé deux fois. Votez 2. C'est un, t'es 3. T'es 1 toi. Ah bon? T'es 1 alors. Ah, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Quand on dit ouais, je vais être bien avec tout le monde, bah non, je m'en bats les couilles, moi. Être bien avec tout le monde, c'est mon objectif. Que tout le monde soit bien avec tout le monde. C'est ça mon objectif. Mais donc je trouve vachement courageux que t'aies fait la démarche. En tout cas. Mais déjà, faut être bien avec soi-même. C'est toi la dernière fois. Le mec qui joue le philosophe. Non, mais déjà, faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Non, mais tu comprends, Sofiane, y'a rien de. Sofiane. Alors, moi, y'a un truc. Oda, elle a dit le tout, c'est d'être en compétition avec soi-même. Et elle a complètement raison. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, c'est ma mentalité. Je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que quand on s'entend pour la première fois, c'est moi-même. Non, mais quand on s'entend pour la première fois. Je suis pas parce que vous êtes en face de moi, mais comment tu veux que Sofiane est. Et Mathieu soit en compétition, il se ressent pas du tout. Non mais, t'as beau dire non, mais t'as beau dire. C'est pas, excusez-moi d'exemple, mais c'est pas du tout. Pense pas ça parce que c'est pas. Non, c'est même que ce soit conscient, que ce soit conscient, c'est pas ta faute de toutes les manières.
Je l'ai pas attaqué lui ni Francesca. Il n'y a pas d'attaque. Francesca, comme d'habitude, il faut que tu. Non, mais surtout, il est dans un. Enrique, là, moi je trouve personnellement vous êtes un peu dur avec lui. Comment ça tu... Parce que c'est comme si là tu mettais les points sur ses points faibles. Tu mettais les doigts sur ses points faibles. C'est le contraire. C'est ça qu'il comprend pas. C'est pas général. Non mais pas du tout. Parce qu'au contraire justement on est plus dans les deux heures avec Enrique et je recommande. Moi je vais vous dire un truc. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça. C'est pas ça le problème. Si simplement les gens ici ils étaient à l'écoute les uns des autres. Et que moi j'ai vu le gag de Greg et je peux dire qu'il est tout petit. Tu vois, c'est des choses que je peux pas dire. On peut pas parler. On peut pas parler deux secondes. Il a jamais vu mon gag. Oui. Si les gens, ils s'écoutaient les uns les autres deux secondes, on aurait pu organiser une réunion hors caméra. Tu vois, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Dans le sens, ça c'est vrai parce que... Encore tout à l'heure, pendant les trucs, j'ai demandé à Enrique s'il avait des choses à dire, il m'a dit non. Moi, si je fais la gueule depuis deux jours, c'est parce que je suis pas bien, parce que c'est une émotion. Ça n'a rien à voir avec toi, enfin, c'est ces histoires de clans qui fatiguent là. Ok, tout le monde s'entend mieux. Je me mets à part, je suis dans mon coin, je vais casser 2-3 vitres vers là-bas, je reviens, je me sens mieux. Je repars casser 2-3 vitres, après je me sens mieux. Le truc, c'est qu'il y en a qui essaient de faire des efforts. Mais quand en face de toi, on fait pas d'efforts, tu fais quoi? Dis-moi. Et bah tu laisses pisser, c'est pas grave. Mais non. Et ça continue. Ça faut pas oublier une chose, c'est quand même, on est loin de Miami. Si on calcule pas, ça veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Non, je parle pas. Même en général. Mais avec tous les gens, il y aurait pas de problème. Il y aurait pas de problème, ça. Ouais. Je pense qu'ils auraient des choses à se dire. Ce serait bien. Il faut parler, mais si tout le monde parle. Non, mais vis-à-vis de toi, moi, je pense que c'est surtout une question un petit peu, on va dire. C'est un peu de jalousie en fait. Mais oui, mais peut-être, mais au moins qu'on. C'est ça, c'est depuis le début, je le dis, mais quel outil qu'on le dise en face. Je bégaye quand je suis énervée. Je suis même pas énervée, tu comprends? Et quel est l'intérêt d'aller te dire en face de toi, franchement, ça me fait chier, je suis jaloux, tu changes trop de chansons. Mais c'est pas ça le truc, c'est d'aller plus loin que ça. C'est pas le fait de chanter les chansons, c'est le fait de dire à la personne, voilà, écoute, non, mais c'est les trois quarts du problème, ça vient de ça. Et bien dans ces cas-là. Mais est-ce que ça me regarde, moi? Tu me demandes ça de moi, qu'est-ce que je m'en fous? Mais il y a défense à prendre de personne, parce que je comprends la réaction. Et si tu veux, j'étais même pas au courant de tout ça, moi, à la base. Je comprends les réactions, mais ça, je peux vraiment comprendre. Ça me... On peut pas en parler. Mais le problème, c'est si on pouvait en parler. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre Francesca, mais tu veux pas savoir à quel point j'ai rien. C'est pour ça. Je parle de Francesca comme je parle de n'importe qui. Salut, Mathieu. Quoi? Il est 1h du matin. Quoi? Va dormir. Mais je suis au coucher. À quelle heure on sait demain? 9h. Attends, je peux voir le planning, s'il te plaît? Ah, voter un. Ouais. Et 3 aussi. Ah oui, j'y vais parce qu'il y a plein de planning. Gravez tous les élèves. C'est ce que j'avais à dire. Moi, j'ai pas commencé. Tous les calbuts que j'ai tracés à Grec, je les ai jamais rendus. Ouais, d'ailleurs, tu me l'as rendu, il y avait de la merde dedans. Vous avez entendu, hein? Il y avait des traces de pneus dans son jean. Il m'énerve, lui, quand il te mais tu sens que c'est mytho, ça m'énerve. J'aime pas ces mythos, là, Sophia. Non, mais merci. C'est bon, quoi. Voilà. Ouais, enfin. Tu vois, Mathieu, une fois, il avait essayé. Moi, j'essaye maintenant. Je serai troisième s'il se passe rien.